Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour le privilège que nous avons de nous approcher de ton trône. Seigneur, reçois-nous dans le nom de Jésus. Père, donne-nous la grâce d'écouter ta parole, de la comprendre, de la saisir et de pouvoir l'appliquer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'ennemi de la parole maintenant s'agenouille devant la puissance de la parole de Dieu et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Dieu, nous la détruisons, nous la renversons et nous emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au nom du Seigneur, c'est encore une joie de pouvoir nous retrouver ensemble afin de partager la parole de Dieu, afin de pouvoir parler ensemble des choses que le royaume de cieux a mis pour nous exprès, de parler ensemble de ce que le Seigneur Jésus, par son esprit, voudrait nous transmettre, afin que nous puissions savoir, que nous puissions connaître, que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer, que nous puissions percer. Alléluia Parce que ce mois, c'est votre mois, c'est notre mois de percée miraculeuse. Et je dis miraculeuse parce que, en fait, le contexte socio-économique ne se prête pas à parler de percée. Je dis miraculeuse parce que l'environnement mondial ne se prête pas à la percée. On peut plutôt parler de frein, on parle de ralentissement, on parle de rebondissement, on parle de recommencement, on parle de... Toutes ces choses qui, en fait, quelque part, ont une connotation négative. Mais quand je parle de percée miraculeuse, c'est parce que je sais que la main de Dieu, la main de notre Seigneur Jésus-Christ, est maintenant prête à intervenir dans la vie de tous ceux-là qui lui appartiennent afin de pouvoir faire la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Je dis percée miraculeuse dans ta vie, parce que la main de celui en qui tu as cru, le Seigneur Jésus-Christ, la main de celui à qui tu as donné ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, la main de celui sur qui tu comptes, le Seigneur Jésus-Christ, va maintenant s'avancer et se poser sur ta destinée afin de pouvoir te donner une vitesse que d'autres n'ont pas en ce moment, t'accorder une avancée que d'autres n'ont pas en ce moment. Je parle de miracles miraculeuses parce que seule la main du Seigneur Jésus Christ est en mesure de faire les miracles que nous attendons. Alors je déclare qu'au nom de Jésus, qu'un miracle inattendu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je disais qu'un miracle inattendu arrive dans ta vie, que dans tous les domaines de ta vie, un miracle que tu n'attendais pas se forme et se pose maintenant. Je déclare une percée miraculeuse dans tous les domaines de ta vie et particulièrement là où tu attends de voir un miracle. Et parce que tu as la foi, tu as saisi en me disant Amen, je le reçois. Alors il te sera fait selon ta foi. Nous parlions ensemble de comment percer en temps de crise. Donc, en temps normal, c'est facile. En temps normal, ce n'est pas difficile. Quand le contexte se pose, ce n'est pas difficile. Mais en ce temps de crise, la bonne question est comment percer en temps de crise Comment se frayer un chemin en temps de crise Comment aller au-delà de, de nos limites en temps de crise Comment pouvoir tracer une route dans le rocher qui se, qui se dresse devant nous. Comment percer en temps de crise? Et j'avais dit, nous allons lire d'abord dans notre texte de base, Esaïe 43, le verset 1 au verset 2. Ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Magnifique. C'est une, c'est un verset plein de réconfort. C'est un verset plein de réconfort. Plein qui donne de la foi et de l'espérance. Esaïe 43, le Seigneur nous fait savoir que malgré tout ce qu'il y a autour de nous, il y a moyen de ne pas être atteint par cela. J'avais dit que la crise était comme un mur devant nous. La crise est comme une enveloppe qui nous étouffe. La crise est comme une muraille de feu et nous sommes à l'intérieur, impossible de passer. La crise met un obstacle à notre évolution. Mais le Seigneur dans sa parole vient nous dire que nous ne devons pas craindre la crise comme les autres. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. L'éternel t'assure de sa présence, même quand tu traverses les eaux. Il n'a pas dit ici, il ne parle pas ici d'un petit ruisseau, il ne parle pas d'une petite rivière. Il parle des eaux, donc des fleuves, des mers tumultueuses. Il dit, quand tu les traverses, je suis avec toi. Bien aimé, j'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui, que le Seigneur en qui tu as cru est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas, ne regarde pas ce que les événements te montrent. Très souvent, tes yeux se fixent facilement sur les événements. Tes yeux regardent facilement à la réalité, à ce qui est en train de se faire autour de toi. Comment est-ce que ton salaire est insuffisant Comment est-ce que ton couple bat de l'aile Comment est-ce que tes enfants sont désobéissants Comment est-ce que ton patron te parle de suspension d'emploi Comment est-ce que le commerce n'avance pas Comment est-ce que telle chose n'a pas pu être dédouanée Comment est-ce que ta santé est en train de descendre, de péricliter Tu regardes à la réalité. J'aimerais emmener tes yeux à regarder au au-delà de la crise, à regarder à celui qui marche avec toi, même au plus fort de la crise. Je parle du Seigneur Jésus Christ. Celui qui dit, lorsque tu traverses, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, et les fleuves ne te submergeront pas. Bien aimé, je t'annonce au nom de Jésus que tu ne seras pas englouti par ce par quoi tu passes. Serait-ce le chômage? Serait-ce le manque d'argent? Serait-ce le manque de santé? Tu ne seras pas englouti par la maladie qui a envahi ton corps. Dis Amen, je suis guéri au nom de Jésus. Tu ne seras pas englouti par le manque de finances qui caractérise tes poches pour l'instant. Dis Amen, je suis retiré de là au nom de Jésus. Tu ne seras pas englouti par tes ennemis qui en veulent à ta vie. Dis Amen, je vivrai, je raconterai au de l'éternel au nom de Jésus. Oui, tu ne seras pas englouti. La Bible dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit du seigneur le mettra en déroute. si l'ennemi vient vers toi comme un fleuve, un fleuve avec la force de l'eau, l'esprit du seigneur le mettra en déroute. donc n'aie pas peur cette crise. cette crise est réelle, mais elle n'est pas vraie. tu m'as compris? cette crise est réelle, tu peux la sentir, mais elle n'est pas vraie. Pourquoi Parce que vous qui avez reçu Jésus-Christ, vous qui êtes enfants de Dieu, vous ne marchez pas, vous ne vivez pas selon les normes de la terre, mais selon les normes du ciel. Vous vivez en tant que citoyen du ciel. Le régime qui vous est appliqué, c'est le régime du ciel. Le régime qui s'applique dans votre vie, c'est le régime céleste. Et là-bas, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fléau. Voilà pourquoi la crise n'a aucun effet sur toi au nom de Jésus. Je vois comment tes affaires commencent à remonter au nom de Jésus. Je déclare que tes affaires reprennent vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que tu es en train de faire recommence à fleurir. Tu le reçois, n'est-ce pas, au nom de Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alors, j'avais dit que... Pour pouvoir percer en temps de crise, j'ai suggéré quelque chose à faire. Pour pouvoir aller au-delà. pouvoir se rendre compte que la crise qui est devant toi n'est pas un, une muraille infranchissable. Lorsque tu as la foi, c'est un rideau de fumée que tu peux traverser sans te blesser. Personne ne peut traverser la fumée en se blessant. Impossible. La brume, la fumée va glisser sur ta peau, mais ne te fera aucun mal. La crise ne va pas te retenir au nom de Jésus-Christ. La crise saute devant ta vie au nom de Jésus. J'avais dit donc que la première des choses à faire pour pouvoir percer en temps de crise, en tant de crise, c'était de pouvoir s'attendre, de commencer par s'approcher avec assurance de Dieu. C'est la première chose. S'approcher de Dieu. Oui, mais avec assurance. Je parle ici de garder la foi en place. Je parle ici de garder une foi ferme. Celle qui croit non pas en ce que les yeux voient, mais qui croit en ce que la Bible a dit. Que l'Esprit de Dieu vous accorde maintenant une foi qui croit même lorsque les choses sont difficiles. Que l'Esprit du Seigneur vous accorde maintenant une foi qui croit même lorsque les choses sont contraires à ce que vous voyez. Et je nous répète encore ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas appeler complot ce que eux appellent complot. Autrement dit, d'avoir un autre regard. Pourquoi Parce que nous nous sommes approchés de Dieu. Nous sommes venus vers le seul qui soit capable de pouvoir apporter la solution à notre crise. Alors même lorsque vos yeux voient le contraire de vos prières, gardez la foi parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. La deuxième chose que j'avais dit, c'était vous attendre à Dieu. Attendez-vous à Dieu. S'être approché de Dieu, c'est bien. Venir vers lui devant son trône avec l'assurance qu'il est capable de faire quelque chose pour nous, c'est très bien. Encore faut-il vous attendre à Dieu. Savoir est différent. Je sais, d'accord? Mais maintenant j'ai la foi, je crois. Autrement dit, je sais qu'il est capable, je me suis approché de lui, mais pas comme l'un parmi tant d'autres. Je m'approche pas du Seigneur comme étant une solution, une option parmi tant d'autres. Je viens vers la seule option qui existe, Jésus Christ. Et là, je m'attends à lui. Ça veut dire que mon cœur ne croit qu'en lui. Mon cœur n'attend que lui. Il peut utiliser mon salaire. Il peut utiliser mes amis, il peut utiliser mes connaissances, il peut utiliser mon carnet d'adresse, il peut utiliser ma force physique, il peut utiliser ma beauté, il peut utiliser mon intelligence, il peut utiliser mes talents pour me sortir de la crise. Mais quelle que soit la chose ou la personne qui l'utilise, moi je m'attends à Dieu. Et la troisième chose que j'avais dit, c'est de persévérer dans l'intégrité. Restez intègre, restez vous-même, restez entier en Jésus. Ne permettez pas à une partie de vous de se compromettre. Et si ça arrive, retournez vite à Jésus. Persévérez dans l'intégrité. Parce que le Seigneur Jésus ne refuse rien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La Bible le dit, la parole l'a déclaré dans Psaume 84 verset 12. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. À qui À ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, il y a moyen de percer dans la crise quand on est Intègre. Les gens vous diront, non, par des temps comme ceux-ci, il faut faire ses magouilles. Par des temps comme ceux il faut adopter telle façon de faire, telle attitude. Laissez-moi vous dire, celui qui s'est approché de Dieu, celui qui croit qu'il s'attend à Dieu, celui-là reste intègre. La parole de nous dit que seuls ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que l'Esprit de Dieu vous amène à connaître davantage le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu, en ce temps de crise, vous amène à connaître Jésus tellement bien que vous allez rester et agir fermement au nom de Jésus. Alors, quatrièmement, comment percer en temps de crise? Quatrièmement, continuez de travailler. Alléluia. Ne vous relâchez pas. Bien aimé, le Seigneur n'est pas pour la paresse. Dieu est et restera contre la paresse. Il aime que l'on travaille. Chacun a un travail à faire. Chacun a un niveau de travail à faire. Chacun fait le travail selon son aptitude. Que celui qui travaille dans un bureau ne méprise pas celui qui travaille sur un chantier. Que celui qui travaille sur un chantier ne méprise pas celui qui est vendeur à la sauvette. Que le vendeur à la sauvette ne, 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 ne méprise pas celui qui est en train de cirer les chaussures. Que le sireur de chaussures ne prenne pas celui qui est infirmier, médecin ou avocat comme un dévergondé. Non, chacun de nous a un travail à faire. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. On n'a pas dit lequel, on dit, tout travail procure l'abondance. Alors, continuez de travailler, c'est important. Ecclésiaste 11, le verset 6, nous renseigne là-dessus, à ce qu'on doit faire. Ecclésiaste 11, le verset 6, nous dit, dès le matin sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Vous voyez La Bible dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Autrement dit, continue de travailler. Travaille, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'environnement, ne permet pas à la paresse de rester en toi. La Bible dit, un peu croiser les bras, un peu s'assoupir et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Cela ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu se développe en toi, se manifeste en toi comme un esprit de travail. Alléluia. Travail intellectuel ou travail manuel, peu importe. Mais que le Saint-Esprit se manifeste en toi comme un esprit de travail. Le temps de crise est un temps propice pour laisser tomber. Le temps de crise est un temps propice pour arrêter de travailler. Le temps de crise est un temps propice pour se relâcher dans son ouvrage. Le temps de crise est un temps propice pour se décourager et se dire à quoi ça va servir. Qui va acheter ce que je suis en train de faire Qui va apprécier ce que je suis en train de faire Personne. Mais qui va pouvoir dire quelque chose de bien sur mon travail Personne. Et puis ça va me rapporter quoi Parce que l'argent est difficile à circuler. L'argent circule difficilement. Il n'y a pas de revenus. Le pouvoir d'achat a baissé. Toutes ces choses. La, la crise crée un climat propice pour la paresse. Mais laisse-moi te dire, pour toi qui veux percer en temps de crise, pour toi qui veux aller au-delà de la crise, continue de travailler. Continue de travailler. La prière, c'est très bien. La prière, c'est magnifique. Mais la prière ouvre les écluses des cieux. La prière dispose le ciel à faire tomber la pluie. La prière fait tomber la pluie sur toi. Mais si la pluie qui tombe sur la terre que tu as labourée ne rencontre aucune graine qui a été semée, il ne poussera que des mauvaises herbes tu ne pourras pas en profiter. Je répète. Si la pluie que tu fais tomber par ta prière ne rencontre pas une graine que tu as mise en terre, eh bien la terre va donner des mauvaises herbes et tu ne pourras pas en profiter. Que l'Esprit de Dieu maintenant te fasse grâce de mettre une graine à terre. Que l'Esprit du Seigneur te fasse grâce de mettre une graine à terre. Serait-ce une petite graine, peu importe. Il vaut mieux encore que... Une seule graine de haricots. Donne un petit plant d'haricots que des mauvaises herbes partout. Au nom puissant de Jésus Christ, que ta terre ne reste plus infertile maintenant. Que ta terre ne reste plus inculte maintenant. Au nom de Jésus Christ. Continue de travailler. De travailler. Continue de faire ce que tu dois faire. Et continue à le faire comme il faut que tu le fasses. Continue à mettre du cœur à l'ouvrage. Continue de travailler. Parce que la Bible le dit, que le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains. Vous voyez, Dieu n'est pas pour la paresse. Dieu n'est pas pour la paresse. Et nous ne pourrons pas vous, vous encourager à la paresse. Non. Après avoir prié, travaillez. Après avoir prié, travaillez. Autant d'efforts vous fournissez à prier. Autant d'efforts vous fournissez à demander à Dieu son intervention. Autant de volonté fournissez à fournir, à donner un travail. Et le Seigneur Dieu bénira. Au nom puissant de Jésus, que votre travail soit béni maintenant. Que votre travail soit béni, quel qu'il soit, dès du moment qu'il reste la parole de Dieu et qu'il est honnête. Que votre travail soit béni au nom de Jésus. Que l'œuvre de vos mains fleurisse et que l'œuvre de votre cerveau fleurisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction du travail vain est annulé dans votre vie au nom de Jésus. Vous ne travaillerez pas en vain car la parole l'interdit, 64, oh, 64 plutôt, la parole l'interdit. Vous travaillerez en récoltant au nom de Jésus. Et je déclare que personne ne mangera le fruit de votre saison à votre place, que personne ne récoltera dans votre champ à votre place. c'est si cela et dit Amen au nom de Jésus. Continuez de travailler. C'est important. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça, c'était la quatrième. J'ai encore une cinquième chose à vous dire, à vous suggérer, pour vous donner une voie de sortie. Comment percer dans ces temps-ci, temps de crise La crise, elle est mondiale. Je ne parle pas que de l'Afrique ou d'un de, de, quelconque pays. La crise est mondiale. Chacun à son niveau subit la crise. Le millionnaire comme le salarié. Chacun subit la crise. L'employeur comme l'employé. Chacun subit la crise. Le, le, le travailleur comme la femme au foyer. Chacun subit la crise d'une manière ou d'une autre. Mais laisse-moi te dire que dans toute cette crise-là, j'aimerais te dire une cinquième chose qui va t'aider à percer. En pleine crise, c'est que, après avoir continué de travailler, l'intégrité, tout ça, protéger l'alliance de la dîme. Dis-moi Amen. Redis-moi encore Amen. Protéger l'alliance de la dîme. La dîme est toute une alliance. Malachie 3, 8 à 10. Malachi 3, 8 à 10. Je vais le lire. Béni soit le nom du Seigneur. Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé La réponse est claire. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous n'êtes pas indemne. La nation tout entière, autrement dit, ça prend tout le monde. Ça englobe tout le monde. Le chômeur comme le travailleur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'un des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu donne une clé pour percer en pleine crise. Le Seigneur fournit une clé vitale pour percer en pleine crise. Lui-même, il assure que dans la crise, vous allez voir, cette clé-là, si vous l'employez, vous serez témoin. Il vous met au défi. Vous allez voir si pour vous... Qui protégeait l'alliance de la dîme, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous allez voir si je ne répands pas sur vous la bénédiction, qui est déjà bénédiction, mais il dit en abondance. Donc il y a un surplus pour ceux-là qui respectent, pour ceux-là qui protègent l'alliance de la dîme. C'est souvent la première alliance qui saute quand on passe par une crise. Vrai ou faux Souvent quand on passe par une crise, surtout financière, c'est la première alliance que, que l'on fait sauter. L'alliance de la dîme. Protège l'alliance de la dîme. Le Seigneur est clair, il dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez. Bien aimé, en ce temps de confinement, on le voit, beaucoup ont non seulement confiné leurs propres personnes, mais ils ont confiné aussi leur dîmes avec, en prétextant qu'il n'y en a pas assez pour moi et pour le Seigneur, oubliant que le peu que tu appelles peu, qui est entre tes mains, c'est encore le Seigneur qui a voulu que cela soit entre tes mains. Si le Seigneur ne veut pas que l'affaire que tu fais rapporte, si Dieu ne veut pas que ton salaire te soit payé, si Dieu ne veut pas que ton argent vienne, tu n'auras rien. Elle me dit, qu'avez-vous que vous n'ayez reçu Et si tu l'as reçu, quand tu es en qu'as-tu Qu -tu que tu n'ayes reçu Donc c'est un peu comme sur le chemin, vous rencontrez une personne et vous lui dites, voilà, prends ce panier-ci. Et tu vous le donnes, ce panier. Dans le panier, par exemple, il y a dix pains. Vous dites, voilà, les dix pains, prends-les. Dans les dix pains, un pain, c'est pour moi. Laisse chez moi à la maison. Les neuf autres pains, amène chez toi. Mais les dix pains sont le même panier. C'est arrivé au même moment, le même jour, dans le même panier. Dix pains. Mais dis un pain en passant, en rentrant chez toi, en passant. Comme nous sommes voisins, en passant, laisse un pain chez moi pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ensuite, les neuf pains, c'est pour toi. Tu peux les emmener. Vous, vous prenez les dix pains, vous amenez chez vous en vous disant j'ai chez moi douze personnes, je n'ai que dix pains, je ne saurais pas donner un pain à côté. Ce n'est pas votre pain. Il dit vous me volez. Protège l'alliance de la dîme en ces temps-ci. Protège cette alliance-là. Paye ta dîme alors tu vas percer même en temps de crise. Pourquoi Parce que la même personne qui vous a donné les neuf pains et le dixième 10, pain à donner chez lui sera encore d'avis et aura même envie de vous donner encore plus de pains. La prochaine fois, vingt pains, dépose deux chez moi, mais les dix autres, c'est pour toi. Pourquoi Je sais que je peux te faire confiance. Exactement comme quand vous, vous demandez à quelqu'un de faire vos, vos achats pour vous ou de pouvoir garder vos affaires. Votre gérant, par exemple, oui. quand vous lui remettez une somme d'argent, dès que vous vous rendez compte qu'une personne n'est pas honnête avec votre argent, que faites-vous Vous la gardez Non, vous la renvoyez du travail, n'est-ce pas D'autres même vous traînez en justice. Pourquoi Parce que c'est votre argent que vous appreniez que celui que vous payez, celui que vous que, que vous salariez, par exemple qui reçoit de vous, admettons, c'est forfaité, qui reçoit de vous 500 dollars par mois. Et que, dans les 500 dollars qu'il a, par exemple, il s'est acheté une chemise, un pantalon. Où est votre problème? C'est son argent. Mais qu'il ait acheté son pantalon et sa chemise avec vos 1000 dollars à vous qui devez vous, vous ramener. Là, vous serez fâché. C'est votre argent. Alors, protégez l'alliance de la dîme. La dîme n'est pas un don, bien-aimé. Je le répète encore, la dîme n'est pas un don. Lorsque vous avez payé votre dîme, ça ne vous exempte pas de donner votre offrande. L'offrande, c'est vous qui voulez donner à Dieu. La dîme, c'est un dû. C'est déjà tranché, même le, le, le montant est connu. Un dixième. Préservez. Et à ceux-là qui préservent, à ceux-là qui gardent, à ceux-là qui protègent l'alliance de la dîme, le Seigneur a promis. Il dit, et vous verrez. Si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Autrement dit, vous allez voir, je vais tenir parole. Bien-aimé, tu veux voir la pluie financière, tu veux voir la pluie dans ta maison, tu veux voir la pluie dans ton travail, voir la pluie dans ce que tu es en train de faire. Protège par ces temps de crise. Protège, préserve l'alliance de la dîme. Alléluia. Ne te laisse pas tromper par ton imagination. Quand je parle de la dîme ici, je ne parle pas de ton montant. La dîme n'est pas une question de montant. La dîme n'est pas une question de montant. La dîme est une question de fidélité. Ainsi, celui qui reçoit peu donnera la dîme de ce qu'il croit être peu. Celui qui reçoit beaucoup donnera la dîme de ce qu'il croit être beaucoup. C'est comme ça. Ne vous dites pas... Mais ce n'est que 100 francs, comment je peux donner 100 francs au Seigneur On ne peut rien faire avec. Ce n'est pas ce que Dieu vous dit. Dieu n'est pas un quémandeur. Il n'est pas en train d'attendre votre dîme pour pouvoir vivre ou faire vivre ses serviteurs ou sa maison. Non, le Seigneur veut voir votre fidélité. Et parce que vous êtes fidèle par rapport à la dîme, lui est fidèle par rapport à la promesse qu'il a faite sur tout cela qui préserve l'alliance de la dîme. Protégez l'alliance de la dîme. Protégez-la. Mettez de côté ce qui est pour le Seigneur. Protégez l'alliance de la dîme. Et vous allez voir comment le Seigneur est fidèle au point d'ouvrir pour vous les écluses des cieux. Au point de pouvoir répandre sur vous la bénédiction en abondance. Protégez cela. Ne faites plus sauter cette alliance. Gardez-la. Vous pourrez même réclamer auprès du Seigneur Seigneur. « Je paye ma dîme. » Et comme Dieu est fidèle et qu'il ne réunit pas sa parole, il se souviendra de vous. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu maintenant vous emmène à la repentance. Que l'Esprit de Dieu maintenant vous emmène à protéger l'alliance de la dîme. Que l'Esprit de Dieu maintenant vous rappelle que la part de Dieu est pour Dieu et la part des hommes est pour les hommes. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce maintenant de pouvoir protéger l'alliance de la dîme. Pour toi pour tes petits-enfants, pour tes enfants, pour tes affaires, pour ta santé. Parce que lorsque cette alliance n'est pas protégée, ça laisse la place au dévoreur. Le dévoreur est un esprit qui, lui, quand il vient, il s'appelle dévoreur. Autrement dit, ce n'est pas que l'argent qu'il dévore. Il dévore tout ce qu'il trouve. La santé, le bonheur, l'entente, l'harmonie, la paix, la joie, le travail, les relations. Il dévore tout. Mais quand vous protégez l'alliance de la dîme, le dévoreur n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès. Au contraire, c'est les écluses de ceux qui s'ouvrent. Et la pluie de bénédiction descend en cascade. La pluie de bénédiction descend en cascade. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour vous maintenant. Parce que vous avez la résolution de protéger l'Alliance de la Dîme. Comme vous avez pris la résolution de désormais protéger l'Alliance de la Dîme. Quoi que ça vous coûte de commencer à ne plus voler Dieu, que les seigneurs soient fidèles envers la parole qu'il a prononcée sur tout cela qui paye leur dîme. Alléluia. Merci Seigneur. Comment percer en temps de crise J'ai une sixième suggestion et une dernière. Restez sur vos objectifs. La crise est souvent un temps propice à la dispersion. Un temps propice à la dispersion, à la déconcentration. Restez sur vos objectifs. Restez sur vos objectifs. Ecclesiastes 11, le verset quatrième. On va le lire ensemble. Ecclesiastes 11, le verset 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ah, donc tu n'es pas son objectif. L'objectif, c'est de pouvoir s'aimer. Mais toi, tu regardes le vent. L'objectif, c'est de pouvoir moissonner. Toi, tu regardes les nuages. Tu n'es pas focus. Tu n'es pas son objectif. Et ça pose un problème. L'objectif, c'est s'aimer et récolter. Pas regarder le vent, pas observer les nuages. Donc, ne perdez votre temps. En ce temps de crise, ne perdez pas votre temps. Restez sur vos objectifs. Alléluia, restez dessus. Parce que c'est en restant sur l'objectif que vous serez en mesure de voir ce que vous faites et de faire évoluer ce que vous faites. Vous avez un objectif clair, restez dessus. En ce temps de crise, on est capable de se disperser et même sur des choses sur lesquelles on n'imagine pas que c'est une grande et une pure distraction. Bien aimé, passer son temps à critiquer négativement son prochain, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Critiquer négativement le prochain, c'est une perte de temps. Vous perdez du temps à critiquer. Vous perdez du temps à critiquer. Perte de temps. Combattre injustement le prochain, c'est une perte d'énergie. Une perte d'énergie. Vous ne restez pas sur vos objectifs. Parce que l'autre est en train de réussir. Ou parce que l'autre, alors votre, vous êtes focalisé sur lui. Je crois qu'il a fait des magouilles. Je crois qu'il n'est pas honnête. Je crois que laissez-le tranquille. Restez sur votre objectif. Combattre injustement le prochain est une perte d'énergie. Critiquer négativement le prochain est une perte de temps. S'arrêter sur les échecs passés ou sur les incapacités présentes. C'est encore une perte de talent. S'arrêter sur les incapacités présentes ou encore sur les échecs du passé. C'est une perte de talent. Restez sur l'objectif. Il faut s'aimer et il faut récolter. Il faut planter et il faut moissonner. C'est ça l'objectif. Qu'avez-vous comme objectif En ce temps de crise, que le Saint-Esprit vous fasse la grâce de rester fixé sur votre objectif à atteindre. Que le Saint-Esprit vous fasse la grâce de rester focalisé sur le but à atteindre. Dans la crise, on se dit, bon, je ferai ceci, je ferai cela. Les idées peuvent venir. Mais derrière toutes les idées, il y a toujours une idée maîtresse. Il y a toujours quelque chose qui mène la file dans tout ce que vous faites. Il y a toujours un élément qui mène la file, qui est le vecteur de tout. Restez concentrés là-dessus. Ce qui marche le mieux pour vous. Ce qui emmène, entraîne les autres. Restez concentrés dessus. Que l'Esprit de Dieu en ce temps de crise emmène vos pensées à éviter la distraction au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu en ce temps de crise emmène vos pensées à éviter la distraction au nom de Jésus-Christ. Restez sur l'objectif. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Autrement dit, il va rater une saison. Alors que c'est la saison de mettre la graine en terre. Quand celui qui est là est en train de regarder le vent, il rate une saison. Bien aimé, tu ne rateras plus ta saison au nom de Jésus. Tu ne rateras plus les tournants de ta vie au nom de Jésus. Parce que tu restes focalisé sur ce que tu dois faire. Quand c'est le temps d'aller moissonner, lui, il observe les nuages, il est distrait. Autrement dit, il rate la saison des moissons. Là, il fallait qu'il prenne. Les opportunités lui échappent. Au nom de Jésus, tu ne rateras plus les opportunités maintenant. Que toute opportunité qui se présente à toi, tu la saisisses au nom de Jésus. Que tout esprit mauvais qui t'emmène à rater les saisons, tout esprit impur qui t'emmène à rater les opportunités, soit maintenant détruit dans ta vie au nom de Jésus. Je chasse et je condamne à l'inactivité tout esprit méchant dans ta vie, qui t'emmène à rater les opportunités, qui t'emmène à rater les saisons. Au nom de Jésus Christ, qu'il en soit ainsi dans ta vie, et tu m'as dit Amen. Restez sur vos objectifs. Ça vous emmènera à pouvoir percer en temps de crise. Parce qu'en temps de crise, quand tout le monde est en train de regarder à gauche et à droite, quand tout le monde panique, quand tout le monde veut tout essayer, c'est en ce moment-là que par l'esprit de Dieu, toi tu restes focalisé. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Je dois faire ceci. Alors je reste là et je frappe là, je continue là. C'est ce moment-là que le rocher, à force d'être frappé, une fissure se fait. On continue de frapper, le rocher se casse, il se brise en deux. Et il y a un passage pour toi qui lance lancé dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Comment percer en temps de crise Tu as là six moyens, six façons de faire qui vont t'amener à percer. Et je vois déjà comment ta percée est miraculeuse. Parce que les hommes du monde se demanderont comment il a fait. Mais tu pourras leur dire, ça c'est la main de Dieu. Je vois déjà la percée miraculeuse dans ta vie. Je suis heureux pour toi parce que je sais que tu vas témoigner de la grâce et de la puissance de Dieu. Comment percer en temps de crise Tel que je vous le dis, commencez à vous approcher avec assurance de Dieu. Attendez-vous à Dieu. Persévérez dans l'intégrité. Continuez de travailler. Protégez l'alliance de la dîme et restez sur vos objectifs. Que le Seigneur Tout-Puissant, que le Dieu Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui te prend la main, qu'il te fasse passer maintenant au-delà de la crise, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'emmène à aller au-delà de ta crise et que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, votre crise se transforme en de la fumée. La muraille de la crise se transforme en de la fumée. Vous passez au travers et vous réussissez miraculeusement, je précise, miraculeusement au nom de Jésus. Et tu as pu me dire Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il est magnifique. Il est celui qui nous donne des astuces. Mais j'aimerais parler ici à quelqu'un, que tout ce que j'ai dit en ces deux parties de comment percer en temps de crise, concerne ceux qui ont donné leur vie à Jésus. L'Esprit de Dieu est là pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible dit, tous ceux-là donc qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, toi, tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, sois fils de Dieu, afin que ce qu'on a énuméré ici, Puisse arriver dans ta vie. Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus? Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas des bonnes œuvres, de la bonne morale, des bonnes actions. Je parle de donner sa vie à Jésus. Reconnaître que Lui seul peut mener et diriger ta vie. Est-ce que tu veux le faire avec moi maintenant? Faisons-le ensemble, bien-aimés. Prions. Prends cette prière pour toi et parle avec moi maintenant. Dis, Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix. Et maintenant, je viens devant ton trône. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je demande pardon pour tous mes péchés, mes égarements, mes désobéissances. Lave-moi et purifie-moi dans le sang de l'agneau. Seigneur, donne-moi aussi maintenant de percer en temps de crise, comme le font tous tes enfants. Je reçois cela et je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant que tu l'as fait, tu es sauvé. Tu fais partie de ceux-là qui peuvent prétendre percer en temps de crise. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais finir en m'adressant à toi, bien-aimé, toi qui connais déjà le Seigneur. Toi qui es notre frère dans le Seigneur, notre soeur dans le Seigneur. Mais parce que tu ne marches pas comme le Seigneur le demande, parce que tu n'évolues pas selon la parole de Dieu, il y a des murailles qui viennent s'opposer à ta vie. La crise est en train de te submerger parce que tu ne marches plus avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut que tu reviennes à la maison. Alors, est-ce que je peux t'aider à revenir à la maison de papa Merci, je vais t'aider alors. Par la foi, prie avec moi maintenant. Dis, Père, je reviens à la maison. Au nom de Jésus. Pardonne mes insouciances, pardonne ma désobéissance, pardonne ma légèreté. Seigneur, prends-moi par la main, par ton esprit. Lave-moi et purifie-moi de ton sang et accorde-moi de rester ferme dans l'obéissance et dans la foi. Au nom de Jésus je te le demande. Amen, voilà c'est fait. Maintenant que l'Esprit de Dieu t'accorde de marcher en nouveauté de vie, et pour toujours, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, et il vous bénira encore. De quelle manière continuez à nous suivre. Vous qui êtes bénis par ce ministère. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook Pasteur Alf Dimaving. Aimez, abonnez-vous et partagez afin que la grâce atteigne d'autres personnes. Sur YouTube, sur notre chaîne Faveur TV, trouvez-la. Abonnez-vous, partagez. Et partagez cette grâce à tout le monde. Et le Seigneur Dieu, celui qui vous emmène à percer en temps de crise, ne manquera pas de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et vos témoignages sont les bienvenus. Afin que plusieurs soient édifiés, faites-nous part de ce que vous avez vu comme la main de Dieu. Faites-nous part de vos expériences avec le Seigneur après avoir suivi ce ministère et d'autres en seront encore édifiés. Que la bonne main de Dieu, que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ vous emmène à percer en temps de crise. Vous allez percer en temps de crise. Vous avez dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.